recevoir pour la première fois dans les bombes deux membres du groupe de Pox. Le guitariste François Bruno et le leader du groupe Jean-Marc Pisapierre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les bombes, mes chers amis. Pour les trois ou quatre personnes qui ne connaissent pas le groupe de Pox, ben, je résume un peu leur parcours. Le groupe de Pox est né en 1981. Entre 84 et 90, ils ont sorti quatre albums qui ont connu beaucoup de succès au Québec et au Canada. Au cours des années, il y a plusieurs membres du groupe qui ont changé. Jean-Marc dit même qu'ils ont eu assez de batteurs pour faire une soupe. Et puis, il leur est arrivé quelque chose qui arrive rarement au groupe. Jamais ça arrive. Ils sont séparés puis le chanteur a sorti un album solo. Ça arrive jamais, ça. En 2005, le groupe s'est reformé. Ce soir, ils viennent nous présenter un nouvel album qui est très, très différent de ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. On va entendre deux nouvelles chansons un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais avant, ils ont accepté de nous faire deux de leurs plus grands succès. Ah, vous allez être contents, les amis, que de vos souvenirs. Closer Together et Carry On the Pox.